Les vents qui enclenchent de puissants mouvements de Dieu. Les vents qui enclenchent des puissants mouvements de Dieu. Répète avec moi. Les vents qui enclenchent de puissants mouvements de Dieu. Les vents qui enclenchent de puissants mouvements de Dieu. Le Seigneur va faire. Veut faire quelque chose de grand avec cette église. Le Seigneur a prévu quelque chose de glorieux dans la vie de l'église de Port-Louis. Et le Seigneur vous choisit comme l'étoile de l'Ouest. C'est l'Est plateau. Ouémé plateau, voilà. Le Seigneur fait de vous l'étoile de l'Ouémé plateau. Le Seigneur fait de vous l'étoile. La gloire de l'Ouémé plateau. Quand les hommes vous chercheront la lumière, lorsque les hommes chercheront la vérité, ils tâtonneront et viendront vers vous. Et c'est à vous de leur donner la vérité. Le Seigneur a mis en vous la vérité. Vous avez en vous la semence de la vérité. Le Seigneur a mis en vous la vérité. De votre bouche ne sortira pas de mensonge. De vos lèvres sortira des paroles de vérité. Au nom de Jésus. Donc si le Seigneur a inspiré ce thème, c'est qu'il a fait des grandes choses. Ils sont venus apporter un vent nouveau. Nous sommes venus avec un vent nouveau. Nous sommes venus avec un vent puissant. Nous sommes venus avec l'activation du vent de Dieu. Qui va bouleverser toute la vie de Port-Novo. Après ce culte, Port-Novo sera bouleversé. Parce que le Seigneur toute la partie. Mais qui va envahir toute la ville. Tu ne quitteras pas tel que tu es venu. Tu n'iras pas à la maison tel que tu es venu. Tu iras avec un vent nouveau. Tu iras avec un vent puissant. Tu iras imposer le règne de Dieu dans ton quartier. Tu iras avec le feu de Dieu. Les hommes verront toi. Que tu es enfant de Dieu. Que tu es enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, les vents qui enclenchent des mouvements de Dieu. Répète avec moi encore. Les vents qui démarrent de puissants mouvements de Dieu. Les vents qui active le puissant mouvement de Dieu. Les vents qui marquent des mouvements puissants de Dieu. Donc vous devez savoir quelque chose. Dieu est un vent. Qui sait cela? Qui sait ça? Dieu est le vent. Il est le vent. Dieu est le vent. Et que nous... La seule chose qui est invisible dans le monde visible que nous ne pouvons pas apercevoir visiblement et que nous sentons est le vent. Qui peut toucher le vent? Touche le vent, je vais voir. Saisis le vent. Saisis le vent. Attrape le vent. Est-ce que tu peux saisir le vent? Dieu est le vent. Et l'invisible, le vent invisible, le vent plutôt, le côté invisible de Dieu, c'est le vent. Ce qui montre que Dieu existe, et qu'on ne peut apercevoir, c'est le vent. Est-ce que vous comprenez? Même le seul fait que le vent existe, et puis, l'existence de Dieu. Malheureusement, les hommes ne croient pas en l'existence de Dieu. Le vent est invisible. Dieu est invisible. Le vent est invisible. Dieu aussi est invisible. Donc, le vent fait partie des éléments de la nature. Dieu a créé.
Et étant lui-même un vent, tout ce qu'il fait, il le fait à partir du vent. Tout ce que Dieu fait là, il le fait à partir du vent. Tout ce que Dieu fait dans le visible provient de l'invisible. Ce que Dieu cache, c'est dans le vent il se trouve. Ce que Dieu t'a caché là, parce que tu ne trouves pas, c'est dans le vent que cela est. Tu peux sentir, mais tu ne peux pas toucher sans la manifestation. Alléluia. Donc, amen. Nous devons tous savoir que Dieu est un vent. Il est invisible. Il est illimité. Illimité. Le vent là, il n'y a pas de limite. Le vent, il n'y a pas de frontière qui bloque le vent. Le vent est l'alternative qui traverse toutes les frontières sans limitation. Il n'y a pas de limitation ou de limite ou de barrière pour le vent. Parce que Dieu est un vent. Il est, infini. Il est invisible. Et il est illimité. Et le vent est aussi spirituel. Vous devez savoir que les choses spirituelles sont invisibles. Et l'Écriture dit, nous ne plaçons pas notre confiance, nous ne regardons pas aux choses invisibles. Parce que les visibles sont par sagesse et les invisibles sont éternel. Tout ce qui est invisible dans l'œuvre de Dieu est éternel. Mais les choses visibles que tu as mis en place seront détruites pour que ce qui est visible demeure invisible. C'est pourquoi la Bible dit que les cieux, la terre, le monde sera roulé comme un livre, sera détruit. Tout sera en Dieu. Dieu sera tout en tous. Parce que tout ce qui existe visiblement, visiblement, quitte à l'invisible. Nous venons du vent. Je ne parle pas de ce vent. Je parle du créateur. Je parle de celui qui est lui-même le vent. Pourquoi nous sommes éternels? Parce que Dieu est un vent éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, et lorsque Dieu veut faire une œuvre, vous devez savoir cela. Lorsque Dieu veut faire une œuvre, il se déplace. Dieu là, vous devez savoir que Dieu, dans sa nature, il est le même hier, aujourd'hui. Il ne change pas. Il demeure ce qu'il est. Dans sa nature, il est toujours sur le trône. Il ne bouge pas. Sur le trône, il est toujours éternel. Sur le trône, il est stagné. Il est là. D'une manière stagnée. Il est sur le trône, il change, il ne quitte pas le trône. Mais lorsqu'il veut œuvrer dans le monde visible, mais lorsqu'il veut quitter son domaine invisible, pour agir dans le domaine visible, il se déplace. Donc Dieu se déplace. C'est lorsqu'il veut œuvrer spécialement Patati. Ou amener ce qui n'existait pas à l'existence, il se déplace. Et les déplacements de Dieu sont appelés les mouvements de Dieu. Les déplacements de Dieu à chaque instant, à chaque dispensation, à chaque époque, sont appelés les mouvements de Dieu. Dans son domaine invisible, il est là. Il ne bouge pas. Il ne change pas. Mais lorsqu'il sort pour œuvrer, pour accomplir une tâche particulière, une tâche précise, moyennant un but précis, il
il se déplace. Et quand on dit Dieu se déplace, il bouge de son trône. Il se met en mouvement. Là, nous parlons des changements. Les mouvements de Dieu sont des changements de Dieu. Mais comment le même Dieu qui ne change pas, comment il va changer? Sa nature est la même. Mais sa fonction change. Dans ses fonctions, il change d'aspect. Il change de manière d'opérer. Parce que chaque déplacement de Dieu vise une but. Un but. Vise une providence. Chaque déplacement de Dieu apporte une nouvelle manière d'opération. Une manière selon laquelle il opère. Qui peut être différente de l'ancien. Donc Dieu est le... C'est-à-dire Dieu, il dit je ne change pas. Mais il change. Dieu dit je ne change pas. Mais en réalité, dans ces faits-là, on voit qu'il change. Même la nature montre que les choses changent. Oh, l'Écriture dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Après la pluie, c'est le beau temps. Donc, il y a les saisons sèches. Donc, pour nous, les saisons pluvieuses. Pour tout ça, les changements qui se passent dans les choses naturelles. Donc, nous, oh, nous savons que le monde réel n'est pas le monde visible. La réalité du monde est spirituelle. Parce que de l'invisible, que les choses viennent et agissent dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, le Seigneur veut impacter son Église. Le Seigneur veut vous impacter. Soyez attentif. Qui est en train de me comprendre? Qui me comprend? Acclame Jésus, acclame Jésus. Donc c'est comme ça que Dieu opère. À chaque déplacement, donc, si c'était le propos, à chaque déplacement, si c'était le propos, il se manifeste d'une manière différente à l'ancien. L'Écriture nous dit dans Jean 1 que personne ne peut voir Dieu si ce n'est le Fils qui est caché dans le sein du Père qui l'a révélé. Donc cela montre que, en tant que Dieu, il est toujours invisible. Mais lorsqu'il se déplace, il se manifeste par un aspect par lequel l'on peut l'identifier. L'aspect que Dieu manifeste lorsqu'il se déplace est lié à l'œuvre qu'il s'attend manifester, ou l'œuvre qu'il prépare manifester. Lorsque Dieu se présente comme le feu du savon, il veut accomplir une œuvre liée au feu. Ou soit il veut amener sa vie, la puissance en manifestation. Et lorsqu'il apparaît comme l'eau, il apporte une plénitude d'abondance. Et lorsque Dieu se déplace, ou bien lorsque Dieu a pris un corps, donc il a pris une forme terrestre. Parce que le corps est poussière. Et la poussière provient de la terre. Donc il vient sur la terre et prend une forme terrestre. Donc chaque. Pourquoi? Parce que les hommes sont sur la terre. Les hommes sont terrestres. Il faut s'identifier à eux. Donc Dieu te conseille de travailler. Il se déplace. Il prend un aspect qui symbolise la mission qu'il veut accomplir. C'est pourquoi lorsque après le déluge, il apparaît à Noé comme l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce qu'il établissait une paix entre les hommes après la construction. Il apparaît comme l'arc-en-ciel. Parce qu'il veut accomplir une œuvre de paix. Donc chaque déplacement de Dieu a un but. Dieu ne se déplace pas pour se reposer. Il se déplace pour œuvrer. C'est pourquoi lorsqu'il entrait, lorsqu'il sortait de son invisible, demeure
Il travaillait pendant 6 jours. Or, les 6 jours, je n'ai pas fait un travail routinier. Je n'ai pas fait la même chose pendant les 6 jours. À chaque jour, un aspect de Dieu se manifeste. Mais tous les jours, jusqu'au 6e, il a fait des choses de différentes manières. C'est comme ça que Dieu opère. Lorsqu'on va dans Ecclésiaste, nous allons bien comprendre cela. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Quand nous lisons l'écriture dans Ecclésias 1, verset 4, moi je lis, il dit, une génération s'en va et une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Nous voyons que quand Dieu se déplace, mais bon, non, moi, certain. Il instaure des générations. Et donc, c'est de quoi, c'est quoi, lorsque une génération s'en va, non, vous quand vous vient. De vous en va. Alléluia. Donc, voilà comment Dieu opère. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Dieu manifeste, se manifeste, c'est une partie de lui et non sa plénitude. C'est-à-dire la partie de Dieu qui se manifeste là, c'est elle on appelle la plénitude de Dieu dans le temps où il se manifeste. La révélation que vous avez de Dieu, c'est l'essentiel dont vous avez besoin à votre temps pour vivre selon le plan de Dieu dans votre saison. Sinon, la plénitude de Dieu ne peut pas entrer dans ce monde. Donc, l'écriture dit que Dieu s'est manifesté dans un corps. Croyez-vous que Dieu, le grand Dieu, va entrer dans un corps? Mais en réalité, c'est une partie de lui qu'il a introduit dans le corps. Mais en réalité, cette partie de lui, nous l'appelons la plénitude de lui. Parce que Dieu ne fait rien d'une manière imparfaite. Je ne sais pas si vous comprenez. Le peu que Dieu donne, c'est déjà la grande quantité dont nous avons besoin. C'est bon? Et non. C'est bon? Oui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, quand Dieu se manifeste, d'abord, quand Dieu se déplace, c'est pour une œuvre. Et quand il se déplace, il se met en mouvement. C'est les mouvements de Dieu qui sont ses déplacements. Je l'ai dit déjà. Et il a un vent illimité. Donc vous devez savoir que quand le Dieu étant un vent se déplace, c'est une partie du vent qui est accordée. C'est bon? Lorsque Dieu qui est le vent se met en activité, en mouvement, sachez que c'est le vent. C'est les dispensations de vent. C'est les différents types de vent qui agissent. Et chaque vent a son nom. Et chaque vent a son but. Selon ce qu'il veut accomplir. Qui le comprend? Qui a besoin de comprendre? Alléluia. Amen. Donc, je l'ai dit, quand il se manifeste, c'est une partie de lui. Qui se manifeste? Donc, chaque vent de Dieu est la signification d'un nouveau mouvement qui démarre. Donc lorsque je viens à vous, et je vous dis, je suis venu avec le vent de Dieu, je suis en train de vous annoncer le début d'une œuvre que je vais accomplir. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque un homme de Dieu ou bien l'esprit vous dit, un vent nouveau, j'apporte sur vous, un vent nouveau, il est en train de vous dire simplement, je veux accomplir de nouvelles œuvres. Je veux entamer une nouvelle saison. J'active un nouveau mouvement. Et c'est ce qu'il fait ce jour au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il est le vent. Le vent est éternel. Et c'est pas
Lisez-moi Somme 33, verset 6. Somme 33. Somme 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par la souffle de sa bouche. Par le souffle de sa bouche. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. La parole de l'Éternel, c'est la manifestation de Dieu. La parole de l'Éternel, c'est ce qui peut sortir. C'est-à-dire, c'est l'essence. L'essence où la faculté spirituelle qui peut sortir de l'Éternel pour agir. Donc lorsque Dieu active un mouvement, il apporte sa parole. Lorsque Dieu active un mouvement, il apporte sa parole qui l'accompagne. Donc la parole de l'Éternel, c'est cette faculté divine qui envoyé pour agir lorsque Dieu se met en mouvement. C'est pourquoi l'Écriture nous dit dans Esaïe, ma parole ne retourne point à moi sans accomplir ma volonté pour laquelle elle a été donnée. Ce qui veut dire que lorsque Dieu se met en mouvement, sa parole l'accompagne. Et sa parole est, c'est-à-dire le moyen par lequel il accomplit ce qu'il s'attend ou mais ce qu'il programme faire lors de ses mouvements. Alléluia. Amen. Et c'est pas la parole de Dieu que les cieux ont et tout leur amène par le souffle de sa bouche. Bon, souffle de la bouche de Dieu. Nous parlons d'une certaine quantité de vent. Le souffle de la bouche de l'Éternel, c'est une quantité de vent. Une dispensation de vent. Parce que l'Éternel, c'est un vent illimité. Le souffle, c'est une petite de vent. Ouais, c'est pas petit, hein. C'est très large, c'est très vaste. Grand, mais c'est comme une partie, une portion qui sort de Dieu. Donc, les amis des cieux ont été faits par le souffle de l'Éternel. Quand on parle de vent, quand on parle de souffle, nous parlons en réalité de quoi? Il s'agit de l'esprit. Donc Dieu en tant que vent, il est esprit. Et le souffle qui vient de lui, c'est une partie de Dieu. Ou c'est un esprit qui sort de Dieu. C'est bon? Qui agit? Donc, les armées des cieux ont été faites par le souffle, par l'esprit qui dispense. Et le souffle de sa bouche n'est pas sans égard totalement au vent. Le souffle était dans le vent. Et le souffle sort du vent. Et donne de vie. Mais en action ce qui n'existe pas. Ou donne aux choses de se mettre en mouvement. Quand Dieu se met en mouvement, les choses que Dieu réalise se mettent aussi en mouvement. Parce que lorsqu'il se met en mouvement, il donne, ça dit, vient avec une puissance qui donne aux choses qu'il crée d'avoir la capacité de se mettre aussi en mouvement. C'est bon? C'est comme ça que Dieu fait. Moi, je ne sais pas. Donc, quand Dieu se met en mouvement, les êtres qu'il a créés aussi doivent se mettre en mouvement. Parce que toute la création a été faite par la parole de l'Éternel. Or, la parole de l'Éternel est esprit. C'est l'esprit qui ranime, qui active les choses qu'il a créées. Et la vie amène ces choses à, c'est-à-dire à avoir un état qui les permet de vivre selon la volonté de Dieu. Job 32, verset 8.
Qui est présent, balance les mains, balance les mains. Le docteur, balance les mains. Job 32, verset 8. Job 32. Là, on parle de l'homme maintenant. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc dans l'homme, c'est quoi? Il a de plateau de l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, dans l'homme, il y a un côté intérieur. On appelle l'esprit. L'Écriture nous qualifie l'esprit comme un souffle. Un souffle du Tout-Puissant. Donc, le souffle, c'est-à-dire l'esprit, c'est un souffle. Dieu est un vent. De lui sort des souffles. C'est quand Dieu programme quelque chose. Il amène à l'action. Il met un souffle. Mais tous les souffles n'ont pas. C'est-à-dire tous les souffles ont été envoyés pour agir. Mais seul l'homme qui a reçu le souffle est créé à son image et à sa parfaite ressemblance. Donc l'homme est un esprit. L'homme est à l'image de Dieu. Parce que le souffle est venu du vent. Le souffle est venu du vent. Le vent même c'est Dieu. Le souffle qui vient du vent, c'est notre esprit qui a été créé à l'image de Dieu. L'homme, l'homme spirituel est un esprit, un souffle. Et pour qu'il soit en permanence, en relation permanente avec Dieu, il ne doit jamais manquer du vent. Il doit toujours se rallumer, se coller au vent. Lorsque tu perds le vent, ton souffle perd d'énergie. C'est le vent qui attise le souffle. Gloire à Jésus. Et là, notre thème veut dire le vent qui enclenche le puissant mouvement de Dieu. Le vent qui enclenche le puissant mouvement de Dieu. Nous venons de comprendre qu'est-ce qu'un vent. Maintenant, que signifie l'enclenchement? Le fait d'enclencher. Enclencher, c'est commencer. Enclencher, c'est commencer. Enclencher, c'est débuter. Enclencher, c'est engager. Enclencher, c'est entreprendre. Enclencher, c'est mettre en mouvement. Et enclencher, c'est accomplir une œuvre qui a un début. Donc il y a des vents qui activent le départ d'un puissant mouvement de Dieu. Dieu ne fait rien sans le vent. Il se déplace, il est le vent. Et lorsqu'il se déplace, son vent prend des formes. Il prend des noms selon l'œuvre qu'il veut accomplir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Qui connaît Jésus? Donc, les vents qui enclenchent le mouvement de Dieu sont des vents qui viennent instaurer l'œuvre de Dieu. Des vents qui viennent amener l'œuvre de Dieu à une belle dimension. Des vents qui apportent de belles révélations de la parole. Des vents qui apportent la vie. Des vents qui chassent les ténèbres. Parce que quand nous lisons bien dans Genèse, l'esprit était, c'est-à-dire, il y avait des abîmes. Or, dans les abîmes, il y a les ténèbres. Et l'esprit de Dieu était comme la lumière qui chassait les ténèbres. Qui venait éclairer parmi les ténèbres. Donc, lorsque le vent arrive, le vent vient éclairer aussi. Parce que Dieu est lumière. Le vent aussi vient emporter. Il vient chasser. Il vient renverser. Il vient détruire. Alléluia. Amen.
Quand Dieu apporte un vent, c'est pour rafraîchir son peuple. C'est pour aussi renouveler les vies. Parce qu'il a mis à l'homme quelque chose qui ressemble au vent. Quelque chose qui est lié au vent. C'est le souffle de Dieu. Donc lorsque Dieu active le vent, pour amener l'homme à être en relation permanente avec lui. Donc quand le vent se manifeste, l'esprit de l'homme aussi se met en mouvement. Lorsque Dieu se met en mouvement, l'esprit de l'homme se met aussi en mouvement. Mais lorsque l'esprit de l'homme n'est pas connecté avec Dieu, n'est pas attaché à Dieu, lorsque Dieu se met en mouvement, l'homme ne peut se mettre en mouvement. Et lorsque tu ne te mets pas en mouvement, lorsque Dieu, pendant que Dieu se met en mouvement, tu es déconnecté de lui, tu es déconnecté de son plan, tu es en arrière et tu ne peux bénéficier des privilèges qu'apporte le vent. Ce matin, le Seigneur te connecte à lui. Tu es à nouveau connecté à Dieu. Tu es le souffle de Dieu. Qui reçoit à nouveau le vent de Dieu. Le vent que tu as besoin. Pour être réanimé. Pour être activé à nouveau. Pour œuvrer encore avec Dieu. Au nom de Jésus. Donc, nous allons commencer par comprendre les choses. Sur le mouvement de Dieu. Le mouvement de Dieu, je l'ai dit, c'est un déplacement de Dieu. C'est des moments qui conditionnent des saisons dans lesquelles Dieu est. Et le nom de Dieu est marqué par la révélation de sa parole. Et la révélation de sa parole est un souffle divin qui apporte la lumière, qui apporte, qui renouvelle l'intelligence, et qui donne la vie. Je laisse un verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Dieu est Esprit. Donc l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire, c'est la nature même de Dieu qui se mouve au-dessus des eaux. On parle d'esprit, on parle d'un vent. Quand on parle de l'esprit de Dieu, on parle du vent. Quand on parle de l'esprit de l'homme, on parle du souffle. Alléluia. Amen. Maintenant, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Depuis la création, même au commencement, déjà même Dieu se mettait en mouvement. Dieu déjà travaillait. Déjà Dieu accomplissait des œuvres d'une manière renouvelable. Alléluia. Amen. Donc, il se mettait en mouvement. Il se mouvait au-dessus des eaux. Nous disons aussi que l'eau c'est la parole. Et l'eau c'est l'esprit. Aussi. Et l'eau c'est la vie. Le souffle de Dieu que nous sommes. Nous sommes des esprits. Et étant des esprits, nous sommes aussi comme des grands eaux. Nous sommes aussi comme des eaux. Et lorsque l'esprit se mouvre au-dessus des eaux, c'est le vent qui agite l'eau. C'est le vent de Dieu qui se met en mouvement. Lorsqu'il se met en mouvement, il active le mouvement aussi des eaux. C'est pourquoi, étant esprit, nous sommes comme des hommes. Quand Dieu se met en mouvement, les esprits des hommes doivent se mettre en mouvement. Parce que l'esprit se mouvait au-dessus des hommes. Non, pour que les hommes demeurent stagnantes, non, pas que les hommes soient quelles qu'elles sont. Mais l'esprit de Dieu se met en mouvement au-dessus des hommes pour que les hommes deviennent des vagues qui se renouvellent
change. Mais ça, vous me comprenez. Amen. C'est pourquoi quand vous voyez la mer, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait en sorte que la mer est comme des vagues? Qu'est-ce qui fait les cris, qui crée les vagues? Donc notre esprit est comme les vagues des agité par le mouvement du vent. Dieu est l'esprit qui se mouvait au-dessus de toi. Donc, toujours, depuis le commencement, les hommes enclenchent toujours des mouvements de Dieu. Les hommes enclenchent toujours, le vent enclenche toujours le mouvement de Dieu. Tout mouvement de Dieu porte une signification. Tout mouvement de Dieu a un but. Car Dieu, il a un temps pour toutes choses sous les cieux. Gloire à Jésus. Donc ce matin, le Seigneur veut se mettre en mouvement. De nouveaux mouvements de Dieu vont s'activer. De nouveaux mouvements de Dieu veulent s'enclencher dans ta vie, dans la vie de l'église. Après ces mouvements de Dieu, les choses ne sont plus les mêmes. En réalité, pourquoi tu remarques que ta vie ne change pas? Tu es la même personne que tu es converti? Parce que tu n'as pas encore connu le Dieu des mouvements. Il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu des mouvements. Et lorsque le Dieu des mouvements se manifeste, les choses changent. L'on monte de dimension en dimension. L'on monte de niveau en niveau. Pourquoi tu es la même personne? Parce que Dieu lui se met toujours en mouvement. Ton esprit n'a pas été obéissant. Ton esprit ne s'est pas rendu disposé pour se mettre en mouvement. Parfois, les choses qui se passent dans ta vie, qui sont stagnantes, qui sont immobiles, qui sont limitées, ne proviennent pas. Et pour raison que, ou bien ne pouvait pas parce que ça, on je ne se mets pas en mouvement. Non. C'est toi qui ne te laisse pas être subordonné. C'est toi qui ne te soumets pas à Dieu. Non, parce que Dieu, il se met toujours en mouvement. Lorsque tu te soumets à Dieu, tu t'adaptes au mouvement de Dieu. Pourquoi tu es encore la même personne? Pourquoi les mêmes démons? Pourquoi même quand, depuis qu'on parle du Saint-Esprit, tu es la même personne? Parce que tu ne suis pas Dieu. Ton esprit ne se met pas en mouvement. Aujourd'hui, je déclare, j'annonce et je prophétise que ton esprit se met en mouvement pour entrer dans une nouvelle dimension. Donc, le mouvement de Dieu amène des nouvelles dimensions. Mais le mouvement de l'homme, mais le mouvement de l'esprit de l'homme, ça dit l'adhésion de l'homme au mouvement, ou bien l'adhésion de l'homme dans les nouvelles dimensions que Dieu a déposées. Donc, depuis, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. C'est pourquoi il est important de vivre selon l'Esprit. Parce que celui qui ne vit pas selon l'Esprit, il est à côté. Il est en dehors de ce que Dieu fait. Il n'expérimente rien. Il ne connaît pas ce que Dieu fait. Il ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Celui qui ne vit pas selon l'esprit, il vit selon sa propre chair. Et c'est la volonté de sa chair qui impose à lui. Comment il peut marcher? L'homme spirituel,
un fils de Dieu qui se soumet à Dieu et qui obéit à Dieu, qui se laisse contrôler par le Saint-Esprit. Donc nous allons comprendre une autre facette. Ézéchiel 37, verset 1. Ézéchiel 37, verset 1. Quand on Ézéchiel 37, verset 1 à 10. Ézéchiel 37, verset 1 à 10. Ézéchiel 1, verset 1 à 10. Si t'en sais à autant. Ézéchiel 37, 1 à 10. Soyez rapide. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces ossements. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur fait des nerfs, la chair crue et la peau les couvrir par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces mots et qu'il en revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit, dit, et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Gloire à Jésus. Qui connaît Jésus? Ici, nous voyons que l'Éternel amena Ézéchiel dans un lieu où se trouve Ézéchiel. Et il était très sec. Bon, un coup, ça va. Très sec, complètement sec. Un coup, bleu. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Dès qu'on va se rouvrir, ça sera nos bains. Est-ce qu'ils peuvent revivre réellement? Oui, c'est dans ton père. Et il répondit, Seigneur, tu le sais. Bon, elle pour au plan, il y a tu en réalité, pourquoi l'Écriture dit que ces eaux sont secs? Nous, il manque de l'eau. Dans état de l'eau, il manque de l'eau aussi. L'esprit, c'est aussi l'eau. Pipa, en sous aussi, ouais. Vous comprenez? L'esprit, c'est aussi l'eau. Pipa, aussi, ouais. Parce que tu perds l'eau. Tu perds la vie. Parce aussi, que l'eau, c'est à vous, frère. Lorsque tu deviens sec, tu n'es plus obéissant à Dieu. Lorsque tu deviens sec, tu es déconnecté de Dieu. Attention, parce que tous ceux qui sont connectés à Dieu sont humides. Parce que le vent que Dieu souffle, c'est un vent qui est frais. C'est un vent qui aussi est un vent qui apporte un peu l'eau. L'eau vive. Aussi au béton. Alléluia. Amen. Donc il dit, prophétise sur ces eaux. Ben, et dis-les haussement desséchés. Ben, écoutez la parole de Dieu. L'Éternel dit à Ézéchiel de prophétiser sur ces eaux. Ézéchiel dit de prophétiser sur ces eaux. Il était en train de lui dire seulement de souffler sur ces eaux. Parce que prophétiser là, c'est souffler sur. Lorsque tu arrêtes de prophétiser là, c'est pourquoi la parole prophétique est la parole de vie. Lorsque la parole prophétique est communiquée, c'est la vie. Oh, c'est le souffle de Dieu qui donne la vie et l'intelligence. Comment comprendre que l'homme est fait, l'homme est formé par la poussière, et c'est l'esprit que tu as soufflé en l'homme. L'esprit de l'homme, l'esprit, c'est un esprit divin que Dieu a soufflé dans son corps.
Et l'esprit que Dieu a soufflé dans le corps, c'est un esprit prophétique. C'est pourquoi on parle du Dieu des esprits ou des prophètes. Pourquoi? Parce que l'esprit de tout homme est semé ou bien est déposé dans son corps par une déclaration. Par une création faite par la parole. Parole de parole et esprit. Quand Dieu dit Dieu souffla dans ma vie, dans la poussière, l'homme était un être vivant là. C'est une prophétie. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et l'homme, a existé. L'homme est formé. C'est pourquoi on dit que c'est pas la parole sont mort. Donc c'est pas une parole de Dieu. C'est pas une parole de Dieu. C'est pas la révélation de la parole de Dieu. Nous sommes créés. Nous sommes esprits. Mais nous sommes créés par la parole. Il a parlé. Dieu a seulement parlé à la poussière. Et l'homme devient une âme vivante. Donc, l'écriture qui dit que Dieu souffle un esprit de vie. Oui, non. Nous savons que c'est un souffle. On souffle comme ça. Mais en réalité, souffler pour Dieu, c'est parler, déclarer. C'est pas autorité. C'est déclarer une parole de l'éternel. C'est pourquoi il dit à Ézéchiel, prophétie sur ses œuvres. Prophétie, c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu. Parler de la part de l'éternel. Quand l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu, elle, c'est le Fils. Le Fils existait. C'est pas la naissance de Jésus que le Fils existait. Le Fils existait depuis que Dieu commençait à œuvrer depuis le commencement. Et le Fils de Dieu est le plus grand prophète de tous les temps. Il était celui qui prophétisait. Il était en train de déclarer de la part de l'Éternel. La création a été faite par la parole. C'est-à-dire la déclaration de la parole révélée. Et les choses qui n'existaient pas arrivent à l'existence. Je ne sais pas si vous comprenez. Les choses qui viennent par la déclaration de la parole viennent à l'existence. Donc la plus grande voix prophétique autorisée. C'est la voix du Fils qui amène les choses invisibles qui deviennent visibles, qui amène les choses qui étaient dans l'éternité dans le temps. C'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre de Hébreux, Dieu parlait autrefois par les prophètes. En réalité, il dit que Dieu parlait autrefois par les prophètes. Il parlait du temps après le péché de l'homme. Depuis que l'homme a péché, Dieu a commencé par parler par les prophètes. Par des sorts. Avant le péché, depuis le commencement, ce n'était pas le Fils que Dieu parlait. Donc le Fils était le prophète par excellence. Qui déclarait les choses? Qui prophétisait? La création a été faite par la prophétie. Et il passe dans mon domaine au tout déclaré. L'homme est un esprit qui a été semé dans une poussière. Et il dit que déclaration de la parole. Cette déclaration de la parole est ce qui est en train de montrer, de nous dire que Dieu souffla sur un esprit. Donc, Platon. L'esprit que tu as soufflé là. C'est la parole de Dieu. Donc, lorsque Dieu veut activer un mouvement, il fait quoi? Il souffle sa parole. Lorsque Dieu veut activer un mouvement, il souffle sa parole. Mais quand il souffle, ce n'est pas un homme qui le fait. Avant, c'était le Fils.
c'était les prophètes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus les prophètes, mais c'est le Fils. Et tous ceux qui ont le Fils peuvent prophétiser au nom de l'Éternel. Avant, ces prophètes étaient à part. Ils étaient privilégiés. Ils étaient seuls à détenir la foi. Ils étaient seuls à détenir le souffle. Mais aujourd'hui, nous sommes tous des esprits. Nous avons tous le souffle. Nous sommes capables d'aller vers Dieu. Allez prendre le vent. Une partie du vent de Dieu. Et souffler parmi les hommes. Allez prêcher. Parler de Dieu. C'est comme. Je marche vers Dieu. Je marche vers le vent. Je prends une portion du vent. Et je viens souffler dans ma bouche, dans ma maison. Pour ça, prêcher. Dieu est un vent. Lorsque Dieu veut agir, là, il souffle le vent. Et le souffle du vent engendre l'activation des esprits. Lorsque prêche, lorsque Dieu se met en mouvement, il y a une parole prophétique qui sort. Cette parole prophétique, est une partie qui sort du vent, qui est comme un souffle, qui se manifeste dans le vent, et qui amène Dieu à se mettre en mouvement. Et ce qui s'est passé au temps d'Ézéchiel se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Parce que le souffle de l'éternel est en train de descendre sur chacun de vous. Le souffle de Dieu est en train de parler sur vous. Il dit : je répandrai sur vous un souffle nouveau. J'amènerai sur vous un souffle nouveau. Et vous aurez la vie. Ce matin, il active en toi cette vie. Sois cette vie de l'esprit. Sois le souffle. Il apporte la vie. Acclame Jésus. C'est moi qui ai compris. Vous devez me comprendre. Vous devez me comprendre. Donc, prophétiser, c'est souffler. C'est souffler de la part de l'Éternel. Oh, le souffle qui sort de l'Éternel, c'est sa parole. Alors, sa parole, c'est une partie de lui qui se révèle comme une œuvre. Donc, lorsque Dieu veut agir, il a besoin d'un homme pour prophétiser. Lorsque Dieu veut amener un vent nouveau, il a besoin d'un canal pour parler. Prophétiser, c'est parler de la parole de Dieu. Lorsque tu évangélises, tu amènes le vent de Dieu. Tu amènes le vent de Dieu. Tu actives le souffle de Dieu. Et tu appelles le mouvement de Dieu à te mettre en activité parmi les hommes. Et tu as besoin de l'homme. Est-ce qu'il y a des hommes disponibles? Dieu veut mettre en vous ce matin un nouveau souffle. Un souffle nouveau. Pour être capable d'être des capables dans lesquels le monde, votre génération, sera en mouvement. Tu ne peux pas activer le mouvement de Dieu dans la vie d'un autre. Que toi-même, tu obéisses à Dieu. Lorsque vous parlez de Dieu, vous êtes, en réalité, vous êtes en train d'activer le souffle de Dieu qui était en lui. Et ce souffle les apporte la vie. Tu as perdu le souffle. Sur le chemin. Oh, je vais t'annoncer quelque chose. Vous devez savoir quelque chose. Dieu, il travaille avec vitesse. Il est un Dieu qui travaille avec vitesse. Dans les soins de Dieu, Dieu est toujours, il travaille toujours avec vitesse. Mais l'homme ne doit pas courir avec vitesse. Il doit être endurant. Si tu es dans l'endurance, tu vas expérimenter tout ce que Dieu fait avec sa vitesse. La vitesse selon Dieu, c'est la lenteur, ou bien lenteur, ou bien dit quoi, la lenteur. La vitesse que Dieu lui court là, en réalité, il est là. Quand Dieu est pressé là, il marche lentement. Quand Dieu est pressé, il marche lentement. Maintenant, si Dieu est pressé, et je cours avec vitesse, et que tu ne sais pas que Dieu, en courant, il marche lentement. Lorsque toi aussi tu cours avec vitesse, et que Dieu arrête,
tu es déconnecté. Tu dépasses les bornes. Ou bien, pendant que Dieu lui couvre, et que toi, c'est-à-dire tu arrives sur le chemin. Au début, tu courais. Quand tu commences à te fatiguer, tu rates. C'est pourquoi beaucoup se sont affaiblis. Lorsqu'ils ont commencé avec Dieu, ils se sont trompés. Pendant que Dieu lui courait avec vitesse, ils ont cru qu'ils devaient aussi courir avec vitesse. Ils ont commencé par manifester un zèle amer. Quand Dieu court avec vitesse, parce que la vitesse selon Dieu, c'est quand ils marchent lentement. C'est pour dire que cette prophétie ne t'appelera pas à sa prophétie. Mais ne fais pas, elle s'appliquera. Quand Dieu donne un message pour vous, vous pensez que c'est maintenant que ça s'accomplit. Ou même vous pensez que c'est quelque chose de précis, de radical. Bien sûr. Dieu qu'il donne, il donne avec pression. Et on a de réalité, ça peut prendre du temps. Est-ce qu'elle dit bon à s'accomplir? La droite, c'est pourquoi elle dit, ouais, même si elle tarde, elle s'accomplira. La droite, certainement. Mais lorsque tu entends, tu commences à courir de temps. Tu ne sais pas que Dieu est là. Je dis, je verrai. Elle en a parti. Il a bien fait. Pour ton esprit, il a bien fait. Pour fait. Mais ce n'est pas encore réalisé. Si pour toi, alors quand il dit je fais, non, non, tu le ferai là. Non, sois calme. Tu oui. Commence pas à marcher doucement. Il est rapide. Et non, il dit, ma main n'est pas très courte. Et non, alors tu m'as voté. C'est-à-dire Dieu là, ma il marche avec vitesse. Et non, si sur le poteau, de combattir, il a dit. Il active tout. Mais quand l'homme est pressé, pendant que Dieu est pressé, quand l'homme est aussi pressé, l'homme se déconnecte de Dieu. Est-ce que tu peux supporter la vitesse de Dieu? La vitesse de Dieu est quoi? Une tranquillité d'esprit. La vitesse de Dieu, selon Dieu, c'est quand les choses vont lentement. Et l'homme doit aussi courir avec endurance. Sachant que Dieu est pressé, il les amène doucement. Courir avec endurance n'est pas, travailler dans la nonchalance. Travailler avec endurance, c'est courir mais dans la sagesse et dans la précision. Doucement. Mais avec puissance. Et les choses se passent lentement, mais grandement. Celui qui court avec endurance, mais les choses se déroulent dans sa vie lentement, mais grandement. Mais quand Dieu dit, je suis pressé d'accomplir quelque chose dans ta vie, sache que ça fera des temps. Mais lorsque tu commences à aller doucement, tu obéis à la parole de Dieu. À chaque temps, tes amis, je paye, finalement, ce qui t'a promis là, tu verras s'accomplir. Mais quand Dieu est pressé, dit je l'accomplis. Et quand tu comptes agité, tu es pressé de faire s'accomplir. Tu ne peux pas. Déjà, même ta vitesse a été passée là, au sein de Dieu. Et pendant que Dieu dit je suis rapide, mais il est là. Je suis rapide, mais arrêtez, il est là. Donc pendant qu'il dit ça, pendant que Dieu est rapide, il est pressé dans l'accomplissement. Du coup, tu dépasses Dieu. Et tu crois même dépasser le niveau que Dieu a mis. Mais là, comment tu veux que la chose que tu as promis s'accomplisse? Si Dieu a dépassé le temps, toi-même tu as dépassé la porte. Courez lentement, avec précision. Ceux qui sont morts sont ceux qui couraient avec vitesse. Ils ont même dépassé Dieu. Ils ont même dépassé le temps que Dieu a fixé. Lorsque tu dépasses le temps fixé par Dieu, Dieu ne te donnera pas, il ne te donnera plus ce qu'il a prévu. Lorsque tu dépasses les choses, arrêtez. La vitesse selon Dieu, c'est quand vous voulez dans l'accomplissement de cette promesse. Mais avec cette impression. Mais lorsque l'homme est efficace,
Quand tu cours de tort, tu retournes en arrière. C'est pourquoi avec Dieu là, on n'agit pas les choses. Chaque chose est à son temps. Je t'appelle pour son œuvre. Prépare-toi. Va en prière. Frappe la montagne. Parce que la montagne fait partie de la lenteur. Je t'ai appelé pour une œuvre. Je t'ai promis quelque chose. Tu ne peux pas l'obtenir forcément. Exactement quand Dieu le prépare. Mais lorsque Dieu lui prépare, il te dit que c'est immédiat. Il te dit que c'est demain. Tu penses que c'est demain. Avec le temps, les dieux. Tu es trop pressé. Attends. Oh, Dieu est lent dans l'accomplissement. Ah, il n'est pas lent. Mais dans les choses là, il les a mis d'abord. Dans ta vitesse là, c'est une forme de rétrogradation. Quand tu cours de trop, tu es en train de rétrograder. Je ne vous dis pas de ne pas être zélé. Comprenez-moi. Parlez le langage spirituel. Quand tu cours de toi, tu oublies le temps. Alors, tu oublies la notion de l'horloge. Alors, je fais tout avec un temps. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Qui a compris, me comprend. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ce matin, je veux remuer les souffles. Le signe est de remuer les souffles. Pour que nous puissions marcher pas à pas. La vitesse exagérée produit l'homme à dépasser les étapes. C'est l'orgueil qui se manifeste ainsi dans la vie de l'homme. Les gens que tu appelles là, ils ne sont jamais présents dans l'œuvre. Lorsque tu appelles Moïse, dans le buisson Adam, lorsque Moïse allait au Horeb, dans le désert, il faisait combien de jours? Combien de jours le jeûne a fait? 40 jours. Il a fait 40 jours de jeûne là-bas. Est-ce qu'il a commencé à Nouta? Avant d'obtenir les lois, Il s'est préparé. Quand Dieu l'a dit, je vous envoie. Demain, vous irez dans la terre promise. Ils ont fait combien d'années sur le chemin? Combien de temps ils ont fait? Il les a dit. Allez à la terre promise. Quand Dieu dit les choses là, Dieu lui respecte les temps. Il dit: je suis pressé. Sors-les d'Égypte. Ils pensaient qu'ils sortiront directement d'Égypte. Ils vont entrer en même temps à Canaan. Ce n'est pas possible. Est-ce que l'enlèvement a lieu déjà? Est-ce que tu l'as vu une fois? Quand les temps sont finis, Sachez que vous devez vous préparer encore. Mais Dieu ne viendra pas vous précipiter. Donc lorsque Dieu fit cet temps, l'accomplissement d'une œuvre, il leur permet à l'homme de fixer un temps de préparation. Si tu n'es pas préparé, les choses que Dieu accomplit ne peuvent pas agir dans ta vie. Il y a certaines bénédictions qui viennent, qui sont détruites, qui sont pas manifestées. Parce que l'homme n'est pas préparé à les recevoir, à les manifester. Quand l'Écriture dit que Dieu donnera le règne à Jésus, Les apôtres disaient comment prier. Il a dit que
prier que ton rayon. Avant ta venue. Les disciples pensaient que lorsque Jésus monte au ciel avec le Père, ce sera le rétablissement physique. C'était spirituel. Les hommes pensaient que ce règne allait être physique. Ils sont toujours agités. Et la vitesse des hommes, c'est un retour en arrière. Un recul. La vitesse des hommes, c'est un recul. Mais l'endurance des hommes, leur réponse à la vitesse de Dieu. Car quand Dieu est vite, court, c'est dans la lenteur que les choses se manifestent. Qui a compris la leçon? Acclame Jésus. Donc, il dit, prophétise sur ses eaux. Prophétise, souffle sur ses eaux. En ce moment desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel, c'est un souffle. C'est un esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vais prendre sur vous de la chair. Je vous couvrirai de la peau. Je mettrai en vous un esprit. Remplace esprit et mes souffles. Je mettrai en vous un souffle. Je prophétise sur. Parler de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Inspirer, essouffler le souffle. Expirer. C'est le souffle de l'Éternel. Ézéchiel 37, verset 7. Ézéchiel 37, verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais. Donc, il disait, je soufflais. Selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je souffle, il y eut un bruit. Donc, quand je prophétisais, il y eut un bruit. Et donc, la voix de Dieu est comme un bruit. La voix prophétique de Dieu est comme un bruit. C'est comme un bruit qui se retient et au niveau des eaux. Le vent qui se mettait en mouvement au niveau des eaux, c'est comme le bruit de la voix de Dieu qui agitait l'eau. Lorsque la voix de Dieu commence à rétiquer dans toi, ou que lorsque tu commences à entendre la voix de Dieu, ton esprit se met en action. L'homme a besoin de la parole de Dieu. Pour vivre selon l'esprit. Parce que la parole est l'esprit. Il faut que la foi de la parole de Dieu puisse mettre en mouvement dans l'esprit. Lorsque tu n'écoutes plus la parole de Dieu, ou lorsque tu ne médites plus la parole de Dieu, tu es en mouvement de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Il y a bruit. Il y a un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Donc il y a des vents qui attirent le mouvement de Dieu. Le bruit de la parole, c'est comme un vent. Lorsque le vent de Dieu est activé, automatiquement il y a un mouvement. Le verset le dit. Okay. Il dit quoi? Le verset dit quoi? Comme je soufflais, je prophétisais, il y a un bruit. Voici, il se fit un mouvement. Donc le mouvement vient avec le vent. Et le vent précède le mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Le Seigneur veut reconstituer les eaux aujourd'hui. Le Seigneur veut te reconstituer. Le Seigneur veut te reconstituer ce matin. Tu as besoin de ce vent. Je regardais. Et voici. Il vint des nerfs. Des nerfs. La chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et le neuf. Il me dit, souffle et parle à l'esprit.
Parle à l'esprit. Dans l'esprit a besoin de la parole de Dieu. Parle à l'esprit la parole. Prophétise sur l'esprit. Sur l'esprit. Prophétise sur l'esprit. Parlez de ma parole à l'esprit. Donc, la parole de Dieu est obligatoire. Parle, la parole est obligatoire. Pour que l'esprit soit activé. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Non, l'esprit de l'homme a aussi besoin de l'esprit de Dieu. Non, Ézéchiel lui soufflait l'esprit de Dieu sur l'esprit de l'homme. Continue. Esprit, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ses morts. Et qu'il revive. Cela mon cœur. Dieu, lorsque le souffle de l'Éternel sort, ce souffle vient des quatre vents. Dieu travaille avec les quatre vents. Nous avons les quatre vents des cieux, les quatre vents de la terre. Au niveau de la terre, nous avons quatre anges qui sont des vents qui agissent et qui arrêtent obéissant aux lois du ciel. Connais-tu les lois du ciel? Exerces-tu le pouvoir sur la terre? Il y a des anges qui sont quatre points cardinaux de la terre. Ils reçoivent les ordres célestes. Ils reçoivent des paroles de Dieu. Ils sont connexes avec les anges. Une échelle établie entre le ciel et la terre. Qui travaille au nom de Dieu. Qui comprend les choses. Acclame Jésus. Ce matin, le Seigneur fait souffler sur le vent. Je prophétise sur l'église de Port-au-Prince. Un nouveau mouvement soit activé. Un mouvement de réveil. Un mouvement d'éveil. Un mouvement d'évangélisation. Un mouvement de prière. Vous prierez comme vous n'avez jamais prié. Allons sur vous. Lorsque vous commencez par prier, c'est la parole de l'Éternel qui est en vous. Vous ne prierez plus selon la pensée des hommes. Vous ne prierez plus selon la chair. Vous prierez par l'Éternel. Vous parlerez de l'Éternel. Dans votre prière, ce sera la parole de Christ. Lui sortira parmi vous. Vent de réveil est encore activé aujourd'hui. Après notre passage, les choses ne seront plus les mêmes. Vous voyez des guérisons spectaculaires, des guérisons miraculeuses, des paralytiques qui marchent. Même à l'évangélisation, vous verrez les choses instantanées. À présent, pourquoi? Parce que Dieu a été le souffleur. Un souffle. Adam était l'homme spirituel. Adam était un souffle qui était dans un corps. Adam lorsqu'il a péché, le souffle a été. Il est devenu mort spirituel, séparé de Dieu. Et pour que l'homme revienne à Dieu, on est venu. Et on l'appelle. L'homme nouveau. Nous devons revêtir l'homme nouveau. Parce que l'homme ancien était Adam, qui était mort. L'homme nouveau, c'est Jésus.
Jésus, le céleste, Adam est le terrestre. Ce qui vient en premier, c'est ce qui est animal. Et ce qui vient en second, c'est ce qui est spirituel. Aujourd'hui, ce qui est spirituel, c'est en toi. La vie de Jésus en toi. Le vent qui apporte le changement spirituel. Le vent qui apporte la force spirituelle. Le vent puissant de ta vie. Le Seigneur l'active maintenant. Il active maintenant. Les choses ne sont plus les mêmes. Les choses ne sont plus comme avant. Un renouveau spirituel. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Dans esprit des quatre vents. Il dit esprit des quatre vents. Aujourd'hui, l'esprit qui tira les quatre vents. Les quatre vents seront secoués. Il y aura un sous-puissant qui quittera les quatre vents. Qui me donnera la vie? Qui attirera le mouvement de Dieu dans ma vie? Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Viens des calvaires. Sans des poissons. Et qu'il revive. L'esprit entre en eux et il reprit vie. Et il se tient sur le pied. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Lorsque Dieu attirera en vous le souffle ce matin, vous serez une armée nombreuse. Parce que le souffle là, c'est comme de l'aimant qui attire d'autres souffles. Jésus est le type de tous ceux qui sont morts. Parce qu'il est le souffle de Dieu qui a traversé la mort, qui est ressuscité, qui est allé dans le séjour de mort. Il a soufflé sur les morts, un souffle de vie, et ils sont ressuscités. Après lui, des milliards de souffles qui étaient éteints sont désactivés. Pourquoi Jésus est le type de tous les morts spirituels qui doivent parvenir à la vie? La même manière que Jésus est mort, est ressuscité, j'annonce sur toi. Et toi qui étais mort, qui est ressuscité. Pas Jésus le type, il est le type de la résurrection. Le sang est le souffle de vie ce matin. Le vin nouveau. Le vin de la vie. Au nom de Jésus. Donc vous devez savoir que c'est qu'avant, c'est symbolisant la présence, le mouvement, la puissance et l'action de Dieu. Et la puissance de Dieu aussi. C'est qu'avant, travaille avec les trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'oreille, le sang. C'est qu'avant aussi. Tu travailles avec les quatre éléments naturels de Dieu. L'eau, le feu, l'air et la terre. Ce sont les quatre anges qui travaillent. Et qui sont des femmes. Parce que les quatre ont dit. Les anges sont des femmes. Donc Dieu va faire quoi? Dieu te renouvellera. Il te renouvellera spirituellement. Alléluia. Amen. Une nouvelle homme, un nouveau vent dans ta vie. Une aile nouvelle, un souffle nouveau. Un feu nouveau. Des eaux nouvelles. Et une terre nouvelle. Tu as besoin d'être un esprit nouveau. Étant une aile. Un souffle. Une fraîcheur. Tu deviendras un feu nouveau. Un feu nouveau de ta vie. Un feu nouveau de ta vie. Une et aussi, tu seras une terre nouvelle. Une terre nouvelle. Une terre nouvelle. Au nom de Jésus. Donc, le vent du nord, il c'est quatre vents. Vent du nord, dessous, dessus, dessus, de l'ouest. Le vent du nord représente le jugement et la justice de Dieu. La justice de Dieu. Quand Dieu veut rendre justice à son peuple, c'est le vent du nord. C'est dans les Écritures. Je ne vais pas aller en détail. Le vent de l'est est appelé le vent de l'Orient ou le vent d'Orient. C'est ce vent qui apporte la providence de Dieu. C'est le vent qui apporte de nouvelles possibilités. C'est le vent de l'Orient qui apporte la révélation. C'est elle qui donne le chemin sur lequel nous devons passer. C'est le vent de l'Orient
qui ouvre une nouvelle saison prophétique. De nos mouvements, de nos rien, qui nous accorde l'espérance de nouvelles possibilités de victoire. Nous devons dire, il y a le vent du sud. Le vent du sud. Et on apporte le renouveau spirituel. Et c'est un vent qui apporte la nouvelle essence. C'est un vent qui apporte le baptême du Saint-Esprit. C'est un vent qui apporte le feu de l'Esprit. C'est le vent du sud. Alléluia. Amen. Je ne parle pas révélation. Donc, alléluia. Amen. Et le vent de l'ouest. C'est un vent qui assure la sécurité. La protection. Et la faveur. Dans le vent du nord, c'est la justice. Le vent du sud, non, le vent de l'est, ou l'orient. Apportant. Non, le vent du sud apporte la providence de Dieu. Apporte la richesse de Dieu. Apporte des nouvelles possibilités. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que la mer est située au sud. Vous allez comprendre, le vent du sud travaille avec les richesses spirituelles de Dieu et la mer. La mer, il y a des richesses qui sont dans la mer. Lorsque la mer te donnera ses richesses. Dieu a fait les choses. L'Occident. L'Ouest, c'est l'Occident. Ou bien, par de l'Est, c'est l'Orient, l'Ouest, c'est l'Occident. Donc, le vent de l'Ouest, c'est vent qui apporte la protection. Le vent du Sud, c'est le renouveau spirituel. C'est la pluie de l'arrière-saison. Le vent du Sud, c'est le baptême spirituel. Le vent du Sud, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le vent de l'Orient, c'est le vent du prophétique qui apporte l'orientation de Dieu. De l'autre, de quoi tu as la direction. Tu as volé au toit, Lydia. Écrase les ennemis et qui donne une ouverture de la saison. De quoi tu as la montagne, tu vas dire. Donc le Seigneur s'ouvre ses bras sur la porte. Ses bras sont ouverts. Le Seigneur secoue les calvaires. Le calvaire de porte nouveau. Le calvaire de la terre. Le souffle de Dieu qui renouvelle l'intelligence. Et qui vient de ta vie ce matin. Il a aussi annoncé dans le 2 août. Nous sommes déjà à la fin. Le 2 août. Oui, tu as. Après ton père, oui, attends. Oui, lui finit. Joël 2 août. Joël 2 8. Après cela, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit, c'est-à-dire, je dispenserai un nouveau vent. Le vent du Saint-Esprit. Je dispenserai les calvaires sur vous. Vos fils et vos filles prophétisent. Quand Dieu libère le vent, le premier signe qui se manifeste, c'est la parole prophétique. Ou la prophétie. C'est la prophétie que je il dit prophétise. Souffle. Quand un vent nouveau arrive, une nouvelle révélation arrive, et il y a une nouvelle façon que Dieu nous inspire pour parler de sa parole. C'est pourquoi il dit les jeunes. Il dit quoi les jeunes? C'est mon fils prophète. C'est la première condition. Quand un vent nouveau arrive, il y a un esprit qui est répandu. Et ce matin, Dieu le répand. Il répand cet esprit sur vous. Pour parler, prêcher, c'est prophétiser. Évangéliser, c'est prophétiser. C'est parler de la parole de Dieu. Un vent nouveau sur vous. Qui fait de vous des messagers de Dieu. Des messagers de Dieu. Et vous vous déplacerez maintenant avec le vent de Dieu. Vous vous déplacerez avec des saisons et des opportunités que Dieu envoie au monde. Au nom de Jésus. Il dit, vos fils et vos filles prophétisent. Des jeunes gens, des jeunes,
Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Voilà, le vent, c'est Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Il va là où il veut. Il choisit le lieu où il veut opérer. Le Dieu qui est un vent, il opère là où il n'est pas trop. Et le vent crée des mouvements. Et apporte le bruit, c'est la parole. Le bruit du vent. Quand vous sentez un nouveau vent, tu apportes le vent. Le bruit qui parle, c'est le vent. C'est la parole. Oh, le buisson qui brûlait, le buisson Adam, était un vent. C'était un vent brûlant. C'est quand le feu du buisson était là. C'était un vent brûlant. Quand il dit il fait de ces anges des. Un vent brûlant. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Voilà. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quand tu es né de l'esprit, tu ne conduis pas l'esprit. Tu ne te contrôles plus. Mais c'est Dieu qui t'en contrôle. Parce que le vent là, le vent n'a aucune direction. Le vent est dans les quatre niveaux de la terre. Le vent balance. Même si les hommes empêchent le vent là, même dans une chambre, dans une chambre fermée, il y a toujours le souffle. Quand vous on ne peut arrêter le vent. Tu es le vent. Quand tu parleras de la part de Dieu, quand tu évangéliseras, prêcheras ou prophétiseras de l'éternel, tu seras comme un vent brûlant. Les gens ne peuvent même pas s'approcher de toi. Ils s'approcheront de toi. Lorsqu'ils veulent donner leur viage. Les hommes s'approcheront de toi pour te converser. Mais les hommes qui te détruiront ne pourront pas s'approcher de toi. Lorsque tu deviendras un vent brûlant, ils viendront de près de toi. Mais ils sont cassinés, brûlés par le feu. Lorsque ils font des complots pour te détruire, le vent brûlant que tu es, tu as été trouvé. Et lorsque tu veux gagner les armes, pour avoir des conversions, il est un vent brûlant qui est comme un qui attire les gens à toi. Les ennemis seront brûlés par le feu. Mais les armes qui deviennent des amis seront rassemblés par le feu. Donc après ça, nous allons passer un moment de prière. Après, les gens ont perdu le vent ici. Mais là, pour bout, le matin, le vent que tu as perdu, c'est la faune. Donc c'est à toi d'être disposé. Et de tendre la main vers le Seigneur. Tout à coup, il vient du ciel. Le vent travaille toujours avec le feu. Tout à coup, il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un le bruit, vous voyez, le vent vient toujours avec le bruit. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le bruit, c'est la parole, la prédication de la foi. Le bruit qui vient avec le vent, c'est la prédication de la foi. Lorsque tu prêches l'évangile, tu parles des mystères. Les mystères que tu parles sont comme des bruits. Seuls ceux qui attendront le bruit seront sauvés. Lorsque tu parles de Jésus là, il fait trop de bruit. Mais parmi ceux qui se plaignent du bruit, il y a ceux qui discernent la pensée de Dieu dans ce bruit. Tu feras le bruit sur le cœur. Tu feras le bruit. Ou bien tu ne veux pas être brutal. La brutalité selon notre Dieu, c'est quoi? C'est la prédication de la foi. Et c'est ce qui assurera pour parmi vous dans les temps à venir, à compter d'aujourd'hui. Oui,
Des langues semblables à des langues de feu. Voilà. Le vent vient avec le feu. C'est obligatoire. Le vent vient avec des paroles en langue. Et c'est parler alors son corps du feu. Le vent et le feu travaillent ensemble. L'eau et le feu travaillent ensemble. La terre, le feu, l'eau et l'air travaillent ensemble. Les quatre vont travailler ensemble. Séparer les unes des autres et se poser sur chacun. Et c'est ce qui se passera ce matin. Il y a encore l'espoir qu'un vent nouveau soufflera. Il y a encore l'espoir d'un vent nouveau. Mais parmi ces quatre vents, il y a un vent, un seul vent. C'est le vent de l'espoir. C'est le vent de l'Orient. Un espoir pour Porto-Novo. Lève-toi. Un espoir pour Porto-Novo. Un espoir pour Porto-Novo. Le vent va souffler dans nos vies. Et nous irons souffler ce vent parmi les païens. Dieu ne vous donne pas le vent pour se taire. Il vous donne le vent pour aller faire du bruit. Allez parler. Dans ce matin, Dieu d'abord s'est demandé, Seigneur, oh, j'ai perdu le vent. À cause de mes péchés, à cause de mon iniquité, à cause de ma désobéissance, à cause des œuvres de la chair, lorsque j'ai perdu ma vie de prière, j'ai perdu le vent. Maintenant, Seigneur, pardonne-moi. Fais cette repentance d'abord. Et après, nous allons prier pour le vent de l'Esprit. Je me répands. Oh, c'est le péché qui avait détruit ma vie. C'est le péché qui m'avait déconnecté de Dieu. Maintenant, j'ai compris. Soupire
à la manifestation de Dieu en ce culte. Parce que Dieu va t'impacter aujourd'hui. Des choses étranges se passeront. Des choses étranges. Des choses étranges. Les choses étranges vont se passer aujourd'hui. Un vent de l'esprit va descendre comme il n'y a jamais eu auparavant. L'atmosphère est ouverte pour l'esprit. L'atmosphère est dégagée. Au nom de Jésus. Maintenant que le ciel est ouvert, Il y a des oppositions. Je ne dis pas que l'église est ténébreuse, non. Mais les ténèbres règnent avant la lumière. C'est parce qu'il y avait les ténèbres dans la Bible. Vous voyez? Donc, les ténèbres doivent disparaître. La lumière doit venir emporter les ténèbres. Donc, vous allez prier pour vous. D'abord, vous allez prier pour vous-même. Les vents mauvais viennent avec le feu étranger. Le vent de Dieu vient avec le feu de Dieu. Tiens, on y a quand on voit au milieu de la capo. Et ils apportent aussi le vent diabolique. Donc aujourd'hui nous allons renvoyer, chasser tout feu étranger parmi nous. Tout feu étranger dans l'église. Il est comme une mère qui se pose à sa croissance spirituelle par la puissance de Dieu, par le nom de Jésus, par l'autorité de la parole, par la puissance de la parole. Je prophétise et je chasse ces vents étrangers. Ces vents étrangers, je chasse. Prie le nom de Jésus. Prie le nom de Jésus. Prie le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous chassons nous les renvoyons. Nous renvoyons.
vous allez envoyer maintenant les vents, les quatre vents. Que la puissance des quatre vents. Donc, pourquoi les mauvais vents. Que la puissance de souffle les quatre vents. Et les fasses disparaissent. Au nom de Jésus, en prière. Acclame Jésus.